Rien ne devait déranger le silence profond de cette paisible nuit d'été, si ce n'est le cliquetis frénétique d'un clavier d'ordinateur. Oh, pardon, je t'ai réveillé. Je vais rentrer à Paris. Falloir qu'on la vende, cette maison. Ah non, là, c'est... s'il te plaît, je l'adore, cette maison, tu sais bien, enfin, c'est notre refuge. Ça fait 2 ans, Marianne, que je passe des semaines entières ici, tout seul. C'est comme s'il voulait pas de moi, cette maison, comme s'il me rejetait. Je t'aime, tu sais ça. Non, je ne sais pas, mais disons que j'en prends le pari. Ce fut la dernière fois que Marianne vit son compagnon. Lucas Mallory disparut sans laisser de traces. Les mots pour exprimer ce que je sens n'existent pas. Je comprends. Non, tu comprends pas. Je le sens. Partout, dans la maison. Pendant des mois, Marianne s'était accrochée à l'idée que Lucas était encore en vie. Allô? Quelque part. Marianne? Lucas, je suis dans notre maison, là, dans le Vercors. Je sais, je te vois. Qui êtes-vous? C'est ce que j'essaye de t'expliquer. Je n'ai rien reconnu. Ni l'endroit où je me trouvais, ni les gens qui étaient là, ni même mon propre visage. Faudra parler de ça à personne. Elle avait eu le sentiment... Vous m'entendez? ...de jouer une étrange comédie. Personne. Il lui avait fallu endosser le rôle de la veuve endeuillée, mais elle le savait désormais. La mort de Lucas n'était en quelque sorte qu'une simple illusion. Vous imaginez ce que ça me fait de savoir qu'il est là? Quelque part? Qu'il pourrait à nouveau se manifester? Même si je savais comment faire revenir votre mari, je ne le ferais pas. Comment t'as su où se trouvait le corps? Une intuition?